Ça c'est sain et j'aime. Oh, il n'y a même pas besoin de mâcher. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Greg? C'est bizarre d'être du mauvais côté de la caméra, mais j'aime bien en fait finalement. Alors, on a décidé qu'on allait se faire un petit plat hyper sain, et surtout hyper simple à faire. Parce qu'en fait, les gens pensent que de manger des légumes, c'est compliqué. Alors, peut-être que je me trompe par rapport à ça, mais j'entends beaucoup les gens aller dans les fast-food et tout, parce qu'ils pensent que ça prend beaucoup de temps de cuisiner des légumes et tout ça. Mais en fait, là, on a des trucs hyper sains. Montre-nous. Donc là, ce que je vais faire, tu me diras si c'est bon après, hein, parce que c'est un peu l'idée. Donc là, on va utiliser deux brocolis, je pense que tu as faim. J'ai faim, mon ami. Donc il y aura deux brocolis. On va les cramer un peu dans la poêle pour justement faire un peu une sauce comme ça. C'est ta petite technique ou bien? Ouais, carottes et puis poivrons. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. Par contre, ce que j'aime bien, c'est aussi prendre des ingrédients, j'ai entendu ça, je sais pas si c'est vrai, mais qui sont de couleurs très différentes, parce qu'apparemment au niveau de la santé, c'est mieux quand... Voilà. La nature, elle fait bien les choses. Et puis si vous variez les couleurs dans l'assiette, normalement c'est bien équilibré. Comme je me Donc réjouis de te voir. là j'ai du rouge, du vert et de l'orange. Je pense qu'on est assez différents, on est assez variés. Et puis bah, moi j'utilise pratiquement jamais plus que trois ingrédients différents pour les légumes. Pour quelle raison? Comme ça, parce que je pense que deux c'est pas assez. Puis quatre, cinq, après ça devient compliqué, il faut acheter plein de trucs différents. Oh, t'es un génie quand Donc même. là, on se fait une espèce de poêlée de légumes, comme ça. Si on assaisonne bien, vraiment, on a après l'impression de bouffer de la viande, moi je trouve. Voilà. Hop. Tu es très joyeux de manger aussi. Ah, je m'en réjouis à mort de manger, mais tu verras, c'est assez bon, surtout si c'est bien réussi. Si on a bien réussi à cramer un peu les carottes, je sais pas si c'est le bon terme pour dire cramer. Je suis content de voir parce que comme ça, je m'inspire peut-être. C'est tellement simple à filmer que le son en fait. La technique est là-dessus. Okay. Alors, le premier truc que je vais faire, c'est que j'ai acheté exprès des gros oignons, mais je sais pas où ils sont. Il me semble que j'ai acheté des... Ah, ils doivent être dans un sachet, là. Ah oui, alors c'est pas vrai, en fait, on a aussi un gros oignon, comme ça. Mais un gros, hein, celui-là, c'est pas un truc de... Hop. Alors, je suis pas du tout cuisinier, je sais pas si ça se voit, mais... J'en ai rien à foutre, mettre en talent. Je pense qu'il enlève un peu beaucoup de matière aussi. Est-ce que tu pleures des fois quand tu fais la mmh. Ah oui, l'astuce pour pas pleurer, c'est qu'il faut pas respirer. C'est pas les yeux en fait. Faut pas respirer. Faut pas respirer. En respirant, ça déclenche. D'après ce que j'ai vu, c'est pas un problème avec la proximité des yeux ou que tu reçois des giclures de ce truc-là. C'est il faut pas respirer. Ok. Et puis tu pleures pas normalement. C'est nice, ça donne vraiment bien. Tac. Alors après, c'est un peu le bordel, hein, mais c'est pas. C'est normal, hein? C'est pas le truc qui est vraiment important. Ok. Hop. Voilà. À bien répartir un peu comme ça. Bon, après, j'ai cuit un peu parce que j'aime bien que les oignons. Ou alors, ça marche bien aussi de mettre une échalote avec. Donc, un oignon et une échalote. Ouais. Moi j'aime mieux le goût des échalotes à part ça. Et puis l'ail? Je mets pas d'ail. D'accord. Donc tu aimes pas les Philippines? Non, en fait j'aime bien l'ail, mais j'aime un tout petit peu, mais si j'utilise des oignons, je mets pas d'ail avec. Ça marche. Donc là je mets carrément, je sais pas, de 0 à 9, je mets sur 7, que ça cuit un peu comme une viande. Ok. Ouais. Alors, après dans l'ordre, ce que je veux faire moi, c'est que je vais faire d'abord le brocoli. Avec ça, pour cramer un peu. Parce que j'ai envie de cramer un peu le brocoli. C'est une technique que tu as vue ou c'est juste non, que tu as essayé? non, que j'ai trouvé que c'était bon comme ça en fait. Ok. Est-ce que les gens ils peuvent utiliser la même technique que toi? Bah c'est le but, hein, si, mais après, chacun fait son truc, mais moi j'aime bien le faire comme ça. Donc je fais carrément des bouquets, je les laisse en bouquet. Je trouve que c'est meilleur à manger après que de faire de la bouillie ou de les couper trop petits, etc. Donc je coupe des bouquets. Ouais, magnifique, je fais de même. Toi tu fais la même chose. Hein. Et mais ça a l'air trop bon. Non mais tu verras, ça tabasse. Surtout, après c'est la gestion de l'huile qui est importante, je pense. Et puis les herbes que tu fous, les mélanges. Oh, en plus c'est tellement bon, ça a l'air sain. Et mais tu sais que moi... Franchement, je sais pas pourquoi les gens bouffent au McDonald's. Regarde, enfin c'est vraiment une histoire de...
je pense de... Ça, c'est moins cher. Hey, pour 5 balles, 5-6 balles, tu peux avoir... Ah oui, oui, là, tu peux on mange pour combien ici? Là, je pense qu'on en a pour 6 ou 7 francs pour 2 personnes. 2 personnes. Et puis tu manges sainement. Et là c'est, franchement, on n'aura pas à bouffer parce qu'à regarde le nombre de carottes que j'ai, là, j'en ai au moins 10. Tu pourrais faire une soupe demain de carottes aussi. En plus, ouais, on va pas continuer. Alors, là... Après, l'idée, c'est aussi de pas trop foutre de trucs parce que sinon, tu peux pas tout... Bien sûr. Tu peux pas en y mettre pour entier. Donc là, on va faire encore un petit peu. Ah, tu mets encore un peu de brocoli? Un petit peu, ouais. En fait, c'est vraiment plus base de brocoli, puis tu mets juste un petit peu de carottes et poivre. Non, je mets autant de carottes que de... Ah ouais, attaque. L'idée, c'est d'avoir quand même un truc qui est aussi... Et là, c'est déjà en train de cuire? Enfin, c'est déjà en train de... C'est en train de chauffer. Ah, là. Ok. Mais tu t'as mis quoi, 2 ou 7? Non, je mets sur... À 7 sur 9, c'est un peu comme si tu cuisais de la viande. Ok. C'est comme si tu fais un steak. Ouais, bien sûr. La viande, on met au plein. Moi, je mets jamais plein, non? Avec la viande. Ah, c'est que Olivier, il fait. Bon, ça, c'est quand tu cuis vite, tu mets au four. Ah oui, ouais, je comprends. C'est une technique aussi, ouais. C'est un peu gros. Tac. Alors voilà, là, on est pas mal. Les poivrons aussi, j'aime bien les cuire avec. C'est des poivrons Espagne ou Suisse? J'ai pas regardé. Ah, faut regarder ça, là, pour que ça filme pas. Ouais, ça serait bien. Oh. Ils sont beaux, hein? Trop beau. Et les couleurs que tu vas voir là. Nice. Ah, on entend que ça a cuit un petit peu déjà. C'est tellement léger là, ce mot. Oh, la technique! Ouais, j'aime bien cette technique là. Ça, alors, ça dépend, il faut que le couteau il coupe bien. J'espère que j'ai pas le pouce vers le micro, je sais même pas où il est le micro. Le micro il est derrière en fait, il est là. Je le touche alors ou bien? Ouais, mais ça va, mais c'est... Moi ce que j'aime bien là, c'est... Je viens de remontrer les couleurs. Je mets pas l'huile tout de suite, je laisse un petit peu cramer comme ça. Non mais j'ai déjà envie de manger comme ça. Ah tu verras, c'est très bon. Je m'excuse, le micro c'est là. Non? Ouais, mais c'est pas grave, il nous entend. Ah non, c'est bon alors. Tu peux aller filmer, va pas trop près, je crois que t'as la vapeur après qui va okay, un peu. Ouais. Et les images que t'auras là, je te jure. Donc là, tu mets les poivrons. Là, je trouve par exemple qu'il n'y a pas assez de poivrons là. Après, c'est un peu à l'œil. Hein, mais t'en as déjà mis un? J'ai mis un entier. Waouh. Mais je vais en mettre encore un peu. Et tu m'inspires comme tu fais ça. Non, mais la vitesse que tu fais ça. Franchement, c'est pas très long de cuisiner, je trouve. On doit attendre plus longtemps au McDo encore. Et c'est plus cher. Non, mais franchement. Et puis c'est dégueulasse. Et au McDo, on a attendu 15 minutes pour un café. Là, je sais pas si tu imagines ce que tu t'envoies dans le corps après, en termes de... Bah, la qualité, c'est top, quoi. Alors, les carottes... Mais ça, c'est drôle parce que... Je sais pas si les gens se rendent compte, mais les carottes, c'est quand même assez sucré. Et puis du coup, c'est ce qui va donner un bon goût après. Le mélange entre le sucré de la carotte, ça va faire un petit peu caraméliser, je sais pas... Et puis j'ai une question, là, comme tu vas mettre les carottes, non, c'est plus long que les brocolis et poivrons, donc combien de temps tu fais cuire ça? Mais après... Si tu veux, ce que j'ai besoin, c'est de cramer un peu ça. Ouais. Puis après, on va vite mettre une base d'eau. Puis après, on va mettre. Tu fais cuire. Après, on va mettre les carottes. Parce qu'en fait, je veux pas qu'elles crament tout de suite. Bien sûr. Les carottes. On va les mettre un petit peu plus. Waouh, ça fait envie. Je crois que j'aime. On va laisser encore un petit moment, mais tu vois, on voit qu'on a cramé un petit peu là. Il faut beaucoup plus que ça. Alors maintenant, on sent aussi un peu. Ouais, mais maintenant, je vais mettre un peu d'huile. Alors, c'est pas très simple de mettre de l'huile. Mais tu veux prendre le mien? Moi, j'aime bien. Ça va au même, je pense, non? J'ai l'huile de sésame. Mais je connais qu'avec la mienne pour l'instant. Ah, ok, vas-y alors. Peut-être celui-là, je le fais. Attaque la tienne, parce que tu connais mieux. Ouh, ça fait envie de manger ou pas? Laissez un commentaire en bas. Ah, ça fait vraiment envie là. Maintenant, je mets directement pour que ça. C'est des assaisonnements pour la volaille, mais moi je l'utilise pour les légumes. J'arrive pas. Ça fait flou ou pas? Non, je sais pas. Ouais, je sais pas. Donc, c'est de l'assaisonnement pour la volaille normalement, mais moi je l'utilise pour les légumes. Moi aussi, depuis que tu m'as. Il s'attarde. Je sais pas s'il m'en reste beaucoup. Ah, mais oui, moi j'ai bon. Non, c'est bon. Oh, mais oh non. On peut arrêter puis manger. Là,
Et ça fait même pas 10 minutes que tu es en train de faire, c'est waouh. Et puis alors il faut savoir un truc aussi, c'est que les légumes ils ramassent pas mal de sel. Donc la sensation du goût du sel avec les légumes c'est moins qu'avec de la viande. Donc il faut mettre assez de sel. Ça marche, chef. Parce que là on va manger que des légumes ou c'est quand même base de soupe. C'est que des légumes. Magnifique. Avec un peu de pain. Avec un peu de pain, ouais. Mais il y a pas de viande. C'est magnifique parce qu'on mange trop partout dans le monde. Donc là, c'est un repas vegan. Ouais, si on veut, ouais. Ah, mais comme c'est colorful, il y a beaucoup de couleurs. Et c'est beau. En fait, je pense que c'est assez simple. T'as vraiment un mélange de couleurs. T'as 3-4 couleurs, ouais. Parce qu'on voit aussi les oignons, c'est blanc. Et là, tu vas mettre les carottes après. Alors, je mets un peu les carottes maintenant. Ça n'a pas une grande importance. Mais j'aime mieux les mettre après. Je pense qu'il n'y a pas assez de poivron, donc je vais en mettre encore un petit peu. Je pensais pas que tu savais faire à manger. Quand même, hein. Alors c'est très simple. Ce serait mieux d'utiliser du beurre. Mais là j'utilise de l'huile parce que j'aime bien le goût. Bon, l'huile d'olive c'est pas mauvais, hein. Si, ce qui est pas très bon c'est de la cramer dans la poêle. Ah ok. C'est l'huile chauffée, c'est pas très bon, c'est mieux le beurre. C'est mieux. C'est cool, hein. J'adore. Tu veux que j'arrête? Non, je peux encore faire. C'est bien. Cool. Moi j'utilise aussi presque toujours l'huile, hein, pour mes trucs. Pardon? Et puis, moi j'utilise toujours l'huile, puis il me semble que toi et moi on n'est pas gros, hein. Non. Non mais l'autre qui fait des blocs. Yeah. Oh mais franchement ça a l'air incroyable. Tu verras après le goût que ça donne, c'est vraiment. Et puis là tu laisses pendant 10-15 minutes. Non, je ne vais pas faire encore les autres carottes. Mais tu vas pas faire tout, non? Non, non, il faut avoir un espèce d'équilibre. Ouais. Par exemple, tu peux faire la même chose avec des courgettes, mais le problème c'est que si tu mets, suivant le nombre de courgettes que tu mets, d'un coup, c'est un goût un peu acide. Bien sûr. Donc, par exemple, si tu veux mettre des courgettes là-dedans, tu devrais en mettre qu'une seule. Ça c'est trop acide après. Parce qu'après c'est trop acide, ouais. Ok. Évidemment, pas les couper trop grosses parce qu'après, sinon ça met du temps à cuire. Ouais. Même par contre, si tu peux faire par exemple de la goulash et tout, puis tu mets par exemple des carottes, c'est vachement bon quand elles sont grosses. Mais ça met. C'est parce que la goulash, tu vas le faire beaucoup plus longtemps. Tu as appris ça toi-même ou c'est l'éducation que tu as eu? Non, mais je teste en fait. Je fais des tests qui. Surtout, je voulais manger moins de viande. Ouais. Et je me suis dit, il me faut des plats qui soient à la fois sains, mais par contre, où il n'y a pas de viande, mais où c'est un goût de viande. Ben ça, franchement, ça remplace vachement bien. Les carottes, c'est. Parce que t'as mis le condiment de. Parce qu'il y a ça qui évoque la viande, il y a l'assaisonnement de la viande. Et puis, les carottes, je dirais, sont quand même. C'est quand même assez croquant. Donc, franchement, ouais. ça donne l'impression qu'on mâche quelque chose quand même. Hein. Ça je me réjouis. Des fois, je suis tellement concentré sur toi que le son il est pas autant cadré. Oh, comme ça. Là, ça commence à être comme je veux. Ça, c'est ce qui est important. Parce qu'après, quand on va mettre une base d'eau, un petit fond d'eau, ça va faire une espèce de petite sauce. Et c'est ça qui donne tout le goût. C'est ce petit goût de cramé là, quoi. Comme on voit ici là. Je ne veux pas trop faire parce que je veux pas. Les oignons aussi, il faut qu'ils soient un peu bruns. Ok. Et les couleurs que tu as là. Ouais, là c'est vraiment c'est hyper appétissant. Quoi. J'ai déjà envie de bouffer alors qu'on doit attendre quand même au moins une demi-heure. Bah, j'arrive t'en aller avec toi. Bah, et puis là, regarde. Tu penses une bonne quantité là maintenant de tout. Là, on va mettre encore un peu de carottes, je pense, parce qu'on risque d'avoir faim sinon.
Le truc, c'est qu'il faut un peu ses bases, c'est pour faire cette espèce de truc sauce avec de l'eau puis de l'huile. Ouais. Et le truc, c'est qu'après, c'est un peu la limite, c'est quand les oignons ou les échalotes ils sont cette couleur, il va falloir commencer à mettre de l'eau. Parce qu'après, c'est trop cramé. D'accord. On va laisser encore un tout petit peu. Ouais. Tac. Hey, t'aimes bien, hein? J'aime bien. Et en plus, toi, ce que tu peux faire, une fois, si je suis pas là, tu peux même laisser le osmo à plat ici. Et puis... Oui, oui. Ou sur un trépied comme ça. Ouais. Ah, je suis content que mon frère, il teste le Sony, puis il a déjà acheté le... Mais ça veut dire qu'il a envie de commencer. Exact. On a qu'à mettre assez parce que ça, je trouve qu'il n'y en a jamais assez dans l'assiette. Ouais, ça c'est trop bon. Et puis ça, ça n'a aucune influence vraiment sur le goût général. Ok. Je trouve qu'on le sent bien, mais ça ne fait pas changer le goût d'un côté ou de l'autre. Voilà, celui-là il est bien. Celui-là il est bien. Comme je veux. On tac. Je vais remettre encore des carottes. Tchou, c'est beau. Là, ça fait environ 17 minutes. This is a raw vlog. Non, je pense qu'il y aura beaucoup de... Non, je ne veux pas beaucoup couper, je pense. Non ? Le truc des carottes, c'est que ça tombe toujours par terre, c'est insupportable. Ouais. Il y a peut-être une technique pour pas que ça tombe par terre, mais... J'ai vraiment pas un gros plan de travail, hein, ici. Je vois ça, mais c'est très bien. Okay. Ah, mais là, il y a de la quantité. Là, c'est bon, hein, la quantité pour deux, je pense. Alors, regarde bien maintenant, je vais mettre de l'eau. Pas plus que ça. Et là, regarde, on va voir la petite sauce. On va faire la... Voilà, et puis maintenant... Il n'y a plus qu'à mettre un petit couvercle. Là, il y a assez d'eau. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, ouais. Il y a assez d'eau, il ne faut pas mettre... Regarde, ici, tu vois, c'est ça. Tu vois comme elle est brune. Tu vois ça comme c'est bon. Et c'est ça de la sauce. Oh, c'est tellement bon. Bah, ça, c'est dû aussi grâce au foie là que tu as mis le condiment, la poudre de... Le condiment, ouais. C'est un mélange entre le condiment, c'est cette espèce de truc brunâtre là. Le fait que j'ai cramé un peu certaines carottes, les oignons et puis les brocolis. Mm-hmm. Et sinon un peu l'huile aussi. Okay. On voit qu'il y a de l'huile, hein, évidemment, elle est restée. Et puis moi, je mets vraiment un tout petit couvercle, c'est juste pour le centre. Je mets pas un couvercle qui est hermétique qui et tout. Ouais. Je laisse un peu respirer le truc. Et par contre, ici, ça va chauffer plus fort, puis je retourne de temps en temps, quoi, simplement. Wow. Par contre, sans couvercle, je trouve que ça évapore trop vite, puis ça sèche trop vite. Donc c'est bien que tu mets le couvercle. J'aime bien avoir quand même un couvercle, ça aide aussi vachement pour la bouteille. Bah, on se voit dans quoi, 20-30 minutes? Dans 2 ans. Dans 2 ans. Dans 2 ans, il faut laisser reposer 2 ans. Donc voilà, alors maintenant c'est parti pour cuire à petit feu, parce qu'il ne faut absolument pas laisser avec la force de cuisson comme j'ai mis au début. Donc là, je suis passé de 7 sur 9 à, je dirais, 5 sur 9. Parce que sinon, c'est beaucoup, beaucoup trop fort. Et après, ça crame trop les trucs. Donc voilà, je vais laisser comme ça pendant à peu près 20 minutes. Je vais remettre un petit peu d'eau et un tout petit peu d'huile à mesure que l'eau s'évapore. Pour vraiment laisser juste un petit fond de liquide, un petit fond d'eau. Pas qu'il y ait trop d'eau, justement... Ok, alors là, on est à combien de minutes après? On a fait 20 minutes, à peu près, de cuisson. Ouais. Donc là, on commence à être pas mal. J'ai rajouté un peu d'eau. C'est tout ce que j'ai rajouté. Et on voit que ça baigne un petit peu. Et la sauce, elle est juste méga appétissante. Toi, tu m'as dit un truc avant, c'est que ça sentait quand même pas mal le goût de viande, non? C'est incroyable comme ça sent l'odeur de la viande. C'est vrai, hein? Je pense que c'est parce que t'as mis justement... Ouais, les condiments de volaille. Les condiments de volaille. Et du coup, ça a vraiment, c'est hyper appétissant, quoi. Donc là, on voit bien. Alors, les couleurs sont un petit peu moins, hein, c'est normal, puisque ça a traîné un peu comme ça, donc c'est moins fluo qu'avant. Mais là, c'est juste malade.
ce qu'on va s'envoyer ce soir. Et Alors, maintenant, c'est le moment aussi de rajouter un petit peu d'huile. Ok, donc là, je rajoute encore un petit peu d'huile parce qu'il n'y a pas assez. J'en ai juste mis au début. Donc, c'est de l'huile d'olive, hein, si jamais. Toute simple. Vas-y, ça fait la netteté. Ouais, je pense que oui. Et puis, j'ai goûté, j'ai trouvé que c'était pas assez salé encore. Alors, je vais rajouter un tout petit peu de sel. Ouais, mais à cause des légumes, en fait, ça, tu te rends vraiment pas compte. Ça pompe pas mal. Alors, t'as vite la sensation que c'est pas assez salé. Ah, ça va être pas mal, je pense. C'est pas mal réussi. J'ai dû rajouter pas mal d'eau. Tu as faim? Mais voilà, ça ressemble à ça une fois qu'on a terminé. Juste avant de manger. C'est, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu moins fluo, t'es d'accord? Il y a un peu moins de couleur. Ouais. Par contre, le jus, là, il est vraiment... Waouh, quoi. Tu veux regarder? Le petit jus, là, avec les... Vraiment, soit top. Vraiment top. Et puis, ben, écoute, je vais servir. T'es prêt? Let's go! Tan taran, tan taran. Attends, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais servir là. Parce que sinon, il n'y a pas de lumière. Oh non, ça a l'air incroyable. Et mais c'est incroyable comme il se flatte après. Ouais, alors après, évidemment, c'est... Mais là, les carottes sont assez fondantes. Ça va être assez fondant. Toi, tu veux... On y va beaucoup, là. C'est direct. Parfait. Avec une petite sauce. Il n'y a pas beaucoup de carottes, en fait. Elles se sont retrouvées un peu au même endroit. Voilà. Oh, mais le repas sain, quoi. C'est dur d'aller encore plus sain que ça, hein. Bon, oui, ben, cuire par exemple avec du beurre, comme on disait, ce serait mieux qu'avec de l'huile. Mais là, je pense qu'on est déjà pas mal sain. Alors, c'est pas hyper esthétique, hein. C'est pas hyper beau, c'est pas hyper esthétique. Mais c'est très sain. Par contre, c'est hyper bon, normalement. Normalement, si je me suis pas loupé dans les dosages. Et puis, ben, c'est hyper sain. Et puis, ça coûte vraiment pas cher. On est dans c'est les ça. 6-7 francs maximum. Ce qui coûte le plus cher, c'est le temps. Ouais, mais le temps, après il y a eu de la cuisson, mais moi j'ai pas passé beaucoup de temps. Et puis même quand ça cuit, on peut travailler ou faire. Bah, exact. Il y a juste qu'il faut rajouter un petit peu d'eau à mesure en fait pour pas que ouais. ça. Et puis à la fin, un tout petit peu d'huile comme j'ai montré. Mais en général, tu es content là? Ouais, là je pense que ça va être bon. T'es quand même un petit champion quand même. Mon premier soir ici, il me fait déjà manger. Bon, c'est le premier soir. Après les autres soirs, je devrais me débrouiller. Non, mais je referai, mais... Voilà. Waouh. On va mettre un petit peu de fluide. Tac. Un petit peu de fluide là. Un petit peu de fluide là. Bravo, mon beau. Et merci beaucoup. Et mes plaisirs. Moi, je pense qu'on est bien là, non? Parfait, mon beau. Merci beaucoup. Et mais c'est incroyable le nombre que tu as mis dans la poêle et il y a ça qui ressort. C'est incroyable parce qu'avec la vaporisation. Ouais, on dirait pas. Hein, ouais. À la fin, ça fait l'assiette pour chacun, simplement. Let's go. Bien. On va. Ah, tu veux pas te faire promo de vlog? Non, mais vas-y. Bah, je sais pas. Il faut pas que ce soit trop chaud, donc normalement, il faudrait attendre un petit peu, mais tu peux y aller. Ça sent quelque chose? Ça sent la viande. C'est marrant, hein? Ça sent la viande. Mais t'auras quand même le goût des légumes, je pense, quand même bien. Première fois après 15 ans que Greg me connaît quand il m'a fait à manger. Peut-être pas trop, c'est assez chaud, hein, gaffe. Ça va? La cuisson, mon gars. C'est un peu croquant comme ça. Mais c'est quand même fondant un peu, non? C'est comme au restaurant. Non, t'es quand même fort parce que je pensais que ça allait être soit trop mou, soit trop croquant. Le gars, il fait comme au resto. C'est comme au resto, ça va? Franchement, le goût, moi je sens un peu le... C'est bon avec les légumes, il y a un peu le goût de... Là, de... franchement, mais une voilà. Carotte, un brocou.
Attends que ça soit un peu plus frais. Ça c'est sain et j'aime. Oh, il y a même pas besoin de mâcher. Il y a même pas besoin de mâcher, quoi. Le pain que tu trempes dans la sauce. Non, mais laisse. C'est incroyable le nombre de sel que tu as mis, puis on dirait même pas que c'est salé. Non, parce que c'est pas la même sensation avec les légumes. J'ai vu ça dans une émission avec Philippe Etchebest. Il disait faux. Les gens, ils font l'erreur, ils mettent pas assez de sel du coup. Et du coup, ça paraît vraiment pas assez salé. Tu te loupes toujours comme ça. Avec les légumes, hein, seulement. Bah, tout à pris, je pense que t'as fait plein de fois, soit pas assez. Puis... Et franchement, le nombre qu'il y avait dans la poêle, puis le scam, moi, je pense que c'était le double. Non, mais là, tu prends un bon brocoli. Et comme ça, tabasse. Franchement, cuisson parfaite. Bien joué. Et le goût est très bon, hein. Ouais. C'est vrai? Tu dis pas non. Ça parce qu'on est en train de filmer? Si c'était Dex, sincèrement, je dis quand c'est pas bon. Ouais, parce que t'es un mec assez honnête, hein, quand même, ouais. J'ai remarqué. Hein. Des fois, t'as un peu un espèce de... Ouais, quand c'est pas bon, je dis que j'aime vraiment pas, en fait. Même aux Philippines, il y avait des trucs que je disais que j'aimais pas trop, et les gens disent, mais pourquoi je t'aime pas? Parce que j'aime pas. Parce que c'est Dex. Parce que... Moi, je suis déjà un fan des légumes, donc... Mais peut-être j'aurais pu mettre plus de poivrons. Parce qu'en fait, on sait pas trop où ils sont passés. Pourtant, il y a deux poivrons entiers. Hein. Oui, une fois, t'as déjà essayé une fois avec des poivrons jaunes. Mais en fait, là, j'ai pris ce qu'il y avait un petit peu au magasin. J'ai fait vite, quoi. Le fromage. C'est vraiment... Non, franchement, c'est vraiment... Bon, ben franchement, je crois qu'on a bien réussi, là. Toi, t'as tout fait. Ouais, enfin, c'est bien réussi, quoi, j'ai l'impression. Et puis, voilà. C'était une petite vidéo un peu expérimentale comme ça, parce que j'ai jamais fait ça sur le channel. Vous aurez qu'à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié, si vous voulez que j'en fasse plus. Après, je peux faire ça aussi avec des cuisiniers, des vrais cuisiniers, parce que moi, je suis pas... franchement, ça m'a fait plaisir de faire cette petite expérience et tout. Puis je crois que t'apprécies, non? Et voilà, puis on voit que pour 6 ou 7 balles, on peut bouffer hyper sain. C'est un bout de viande. Et pourtant, on n'a pas mangé de viande. 3 francs par personne. 3 balles par personne, voilà, en Suisse. Donc, ça va. Et moi, je t'aime moi. Ouais. Donc, je pense qu'il y a mieux à faire que d'aller au McDonald's. C'est possible. C'est possible à gérer. Si tu es en train de bien manger, alors il faut dire pour les pouces bleus et tout, des trucs... N'hésitez pas à laisser en bas un petit like si vous aimez aussi comme j'ai filmé, bien sûr. Et laissez un commentaire si vous voulez voir plus de cela. Et puis, à tout bientôt.